qu'on a identifié tous les problèmes, toutes les contraintes. Mais les acteurs qui doivent intervenir pour lever ces contraintes sont en dehors. Et ce n'est pas Alger, c'est d'autres secteurs. C'est les secteurs productifs, c'est les secteurs des ports. Vous l'avez dit, c'est la douane, c'est le port, c'est la Banque d'Algérie, c'est l'entreprise elle-même. Donc on fait un travail de sensibilisation vis-à-vis de ces différents partenaires pour les sensibiliser, pour leur expliquer qu'il est nécessaire de changer de comportement. Mais ça reste de leurs compétences. On ne peut pas les forcer à faire cela. Donc c'est un peu la contrainte qu'on rencontre à Alger en matière de promotion. Faut-il une décision politique courageuse? C'est clair qu'il faut une décision politique, avec effet immédiat. Si on veut réellement, justement, il faut profiter de l'occasion qui se présente. C'est vrai que c'est un peu difficile par rapport à l'économie algérienne avec ce problème de baisse des revenus du pétrole, mais il faut justement profiter de cette occasion pour revenir à des normes de travail standard, c'est-à-dire travailler, améliorer la productivité, améliorer la qualité du produit, mettre en place de véritables facilités pour les entreprises. L'administration doit être une porte ouverte vers l'entreprise. Elle ne doit pas se refermer sur elle-même. Elle doit ouvrir le dialogue avec l'entreprise pour pouvoir justement voir les véritables contraintes.